bonjour à tous et à toutes, c'est Eo. Et aujourd'hui une vidéo un peu particulière car ce ne sera pas qu'une seule vidéo, ce sera carrément une série consacrée carrément en entier à The Elder Scrolls Skyrim. Salut à tous, c'est Eo et comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être un peu particulier, ça va pas être une vidéo test ou quoi que ce soit, ça va être une série. Une sorte de walkthrough, mais pas vraiment, parce que je vais découvrir en même temps que vous le jeu. Mais je vais pas trop parler, ça va être sous forme d'épisode. Donc là, aujourd'hui, on est le jour du premier épisode. Je vous présente les bases, mais par la suite, ça sera pas comme ça le début. Ce sera plutôt des comme des séries, comme une série télé ou une série courte. Où je ne vais pas trop parler, je vais même peut-être parler en off. Jouer indépendamment de ce que je dis. Ou jouer et commenter en même temps, ou parfois pas parler du tout, ou dire deux trois mots, mais laisser profiter de l'ambiance du jeu, des environnements, etc. Ça va se passer comme ça, voilà. J'introduis lors voilà, je vous fais un petit prologue avant qu'on commence réellement cette série, et j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, franchement, sincèrement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais cet exercice-là, donc soyez indulgents, voilà. Allez, c'est parti, on va commencer. Même s'il y a marqué continue, on va faire un nouveau. Et c'est parti dans le monde de Skyrim. De traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, et ce voleur-là. Maudit sauvage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval, et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, nous emmène-t-il? Aucune importance. Sauvengard est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. Eh, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Chor, Ara, Tibel, Kinaret, Akatosh, divin, s'il vous plaît. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmor sont avec lui. Sataniel. Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Pourquoi nous
votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une erreur. Avancez en direction du bio quand vous entendez votre nom, un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous, là, avancez! Qui êtes-vous? Et c'est ainsi que commence notre quête, chers amis. Et voilà, vous avez vu, on a commencé, on est arrivé, nous sommes des prisonniers. Et je dois choisir mon ethnie. Et donc on a le choix parmi plusieurs races. Mais comme on nous propose d'office, je vous montre quelque peu les races que nous propose le jeu. Alors pour les fans des Elder Scrolls, ils seront pas dépaysés. Mais je vous montre quand même pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu. Même si encore une fois... comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ce ne sera pas un test, donc je ne vais pas tout vous montrer pour pas trop vous spoiler. Donc nous avons les Argoniens, les Bretons, les Elfes des Bois, les Elfes Noirs, les Hauts Elfes, pardon, les Impériales, les Khajiits, les Nordiques, les Orques et les Rouges Gardes. Mais moi je vais prendre les Nordiques. C'est ce qu'on nous propose d'office. Et puis j'ai envie de les prendre parce que c'est des guerriers braves. Et j'aime ça. Allez, c'est parti. Nous avons créé notre personnage, notre héros principal de cette série, de cette aventure. Et c'est ainsi que nous avons créé notre héros pour cette nouvelle aventure, si je puis dire. Et c'est le moment fatidique pour donner le nom qui va nous coller à la peau pendant toute cette aventure. Alors vous avez vu l'aspect que je lui ai donné avec cette balafre sur l'œil. Il a une vraie tête de sale gars. Mais bon, je sais pas encore si je vais le faire plutôt du côté du bien ou du mal, on sait pas encore. Mais nous allons voir par la suite, au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de mes humeurs. Mais bon, l'habit ne fait pas le moine, donc ça peut être un gentil comme ça peut être un méchant. Alors, pour le moment, je ne sais pas quel nom je vais lui donner, donc je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme nom, tiens. J'ai bien envie de l'appeler Scar. Ce serait trop facile, vous allez me dire. Ça fait penser un peu au méchant du Roi Lion, un peu au Scar
de la série animée de Fullmetal Alchemist et toutes ces personnes qui ont des balafres. Mais bon. Allez, je vais l'appeler Scar, parce que ça fait Kikou, ça fait Dark Kikou, ça fait classe. Allez, on va l'appeler Scar. Vous Scar. Avez bien mal choisi votre moment pour rentrer. C'est écrit comme ça d'ailleurs. Il n'y a pas un D à la fin de Scar. Il ne figure pas sur la liste. Scard. Peu importe qu'il ne soit pas sur la liste. C'est bien comme ça, on va l'appeler Scar. Il rejoint le bâtiment comme les autres. C'est parti. Et que l'aventure commence. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Ulfric sombrage. Certains ici à Helgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien. Continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Ah, ça c'est marrant. Il dit qu'il a pas toute sa journée et il est sous le point de mourir. Les ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant? Et là, c'est le drame. Ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Chien d'Imperio. Justice. Mort sombrage. Ah ouais, d'accord, sans pitié. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant, le Nordique en haillons. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Ah d'accord. Ouais. T'as rien à moi apparemment. D'accord. Écoute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les dieux, un dragon! Comment est-ce possible? Par un dragon là. Voyez l'auberge de l'autre côté, sautez sur le toit et continuez. Ouais. Allez, on vous suit dès qu'on le peut. D'accord, allez. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. J'adore là, pour le moment. J'adore. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on doit aller là? On a un radar au-dessus de notre tête. J'arrive. Bon travail, vous faites des merveilles. Oulala. Ok, d'accord. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. D'accord. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Atfar. Il est parti où? Il est là-bas. Je dois suivre. Allez, c'est parti. Restez près du mur. Ouais. Putain. Il est juste
Suivez-moi. Ok, je te suis, mon ami. Comment allons-nous tuer cette chose? N'éloignez pas. Allez. Il y a des cadavres partout. Qu'est-ce qu'il est énorme, ce dragon, il est énorme. Nous devons hors de mon chemin. On s'enfuit, Alvar. Et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Effectivement. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à sa sauvegarde. Putain, regardez. Venez. J'arrive. Ouvre cette porte. Apparemment, nous sommes rentrés en sécurité là. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, le début, il est énormissime. Ouf. Nous retrouvons un Sauvengard. Ah, moi, il est mort. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Ouais, je vois ça. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. C'est magnifique. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Ouais. Et voilà. Prenez l'équipement de Gugnard tant que vous y êtes. Il en aura besoin. Ok, donc je vais le détrousser de son équipement. L'armure de Gugnard ne lui sert plus à rien. Alors, comment on fait pour prendre ces trucs? Cuirasse de sombrage, bottes de fourrure et hache de fer. Donc on va prendre un peu tout ça, on va le foutre à poil. Ok, ça c'est fait. Comment on s'en équipe? C'est bon? Je suis équipé de tout là, ça y est. Journal des quêtes. Le journal des quêtes, de quête répertorie, vos quêtes et vos objectifs. Si vous appuyez sur eux, après avoir sélectionné une quête, cette dernière deviendra sélectionnée. Deviendra votre quête active, pardonnez-moi. La cible de quête correspondante sera alors ajoutée sur votre boussole. Et sur votre carte, d'accord, table pour sortir. Donc là, j'imagine que... Ah bah tiens, c'est l'interface, donc je vais peut-être faire un save. Non, je peux pas save. D'accord, est-ce que je suis équipé au moins là? Je sais même pas si je suis équipé ou pas. Ah bah j'ai tout pris. L'objet est trop lourd pour pouvoir être transporté. Ouais, mais il me semble que j'ai tout pris. Donc, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Ok, d'accord. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Alors, classique, comme dans tous les Elder Scrolls, je peux tout prendre. Est-ce que je suis équipé là? Je sais même pas si je suis équipé avec mes. Si je suis équipé avec mon équipement, justement. Bon, déjà, je vais sauvegarder. Alors, sauvegarde auto. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. Alors là, non, je suis pas équipé, mais on voit mes mains. Mes jolis petits bras. Pour le moment, je ne suis pas équipé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appuyé sur table. Objet. Ah, voilà, en appuyant sur table, on a accès à la magie, aux compétences, à la carte des objets. Ah, ouais, c'est pratique ça. Arme. Hache de fer. Je suis équipé. Ouais. Tenue. Bandage de pied. Bottes de fourrure. Je vais prendre des bottes de fourrure. Qu'est-ce que c'est? Tunique de jute. Ouais, ça, c'est classique dans les Elder Scrolls quand on commence toujours à bien emprisonner. Hop, je vais mettre cuirasse. Voilà, Fab. Ça, c'est quoi favori? En appuyant sur F. Non. Qu'est-ce que ça m'a fait ça? Non, mais je suis équipé là ou quoi? Dans pas de tunique de jute, je vais m'équiper avec les bottes de fourrure. J'ai relâché? Non. Si, si, j'ai relâché, exact. Donc, on va reprendre ce truc. Pardonnez-moi, je m'habitue avec les touches, etc. Donc c'est la première fois que je joue en même temps. Donc bon, voilà. Alors, parce que c'est pas pareil qu'Oblivion. Hein. Donc, voilà, là je pense que je suis équipé. Il faut appuyer tape. Voilà. R pour dégainer. Allez, votre vous arme. Arrêtez pas. À couvert. Ah, je me trompe pas. Ouvrez cette porte. J'espère que quelqu'un sait où nous allons.